Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Burger Time. On est en direction de Portland, on s'est arrêté après 1h30 de route. J'ai vu qu'il y avait écrit Burger Claim, je crois. Et l'affiche m'a fait rire en fait. Donc du coup je me suis dit vas-y on s'arrête là Lucky. Et Lucky t'as dit quoi toi? Pourquoi pas? Non t'as rien dit puisque je t'ai rien dit. C'était une petite surprise pour Lucky. Parce que j'étais en train de faire du montage aussi. C'est vrai, Lucky en fait pendant que je conduis fait du montage. Du coup c'est une équipe qui se crée et cette technique. On va manger? On va manger. Vas-y. On va manger? Ouais. On va manger. Let's go. On va manger. C'est le mec, il est en train de galérer, je veux dire, une boisson quoi. C'est quoi? Je sais pas. Le mec teste des trucs. Alors moi, j'ai pris un burger normal, le plus simple, qui était à 5$ avec sans oignon, pardon. Et la texture elle a quand même plutôt pas mal. Pour une fois qu'il y a des tomates, ça me change un peu. On va goûter ça. C'est pas mal, c'est pas beaucoup, c'est pas mal. Ça fait assez de légumes. Disons que ça se mange bien, mais c'est pas bon. Allez, comme première note comme ça sur le bif, je dirais 7 sur 10. Hein. Et pour les frites, je suis un petit 6 sur 10. Et au niveau de la boisson, j'ai pris un truc, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un espèce de truc sans calories, avec fruits rouges. Mais ça passe. Donc, ouais, on va dire pour le tout, pour l'instant, on va dire un petit 7 sur 10 pour le tout. Mais c'est pas mal, pas mal. La texture est quand même stylée, je trouve. Le pain est un peu mou. J'aime bien. Ça va, Clément ? Moi, j'aime bien manger dans une caméra parce que tous les gens autour dans le restaurant me regardent. Mais moi, je t'en bats les couilles parce qu'on voit bien ce que je dis. Par exemple, si j'aime bien sur des grosses queues, comme ça, bien juteuses, bah, tout le monde va me sauver la forme. Voilà. Bisous. Toujours dans la délicatesse. Toi, t'as fait comme moi, mais avec oignon, c'est ça ? T'as pris un total. It's ok. Alors? Franchement ça passe. Ça passe, on est d'accord, c'est pas ouf mais ça passe. Ouais, mais c'est toujours le pain qui est un peu mou, je trouve. Le pain est un peu mou, c'est dommage. Il est pas assez grillé. Ouais le pain il est un peu. Regarde le pain quoi. Ouais c'est pas du pain, c'est plus de la brioche en regarde, fait. En fait t'as juste appuyé, regarde, ça laisse une trace de doigt en fait. Vas-y dessine une bite dessus. Ça dure avec un doigt. Ah, tu peux dessiner une bite avec un doigt? Il fait boule. Ouais. Oh, excellent, l'homme qui dessine des bites sur un burger. Du coup ouais ça passe, après quand tu regardes à l'intérieur, je sais pas ce qu'on va bien voir. Ouais non ça va, ça a l'air sain en tout cas, tu vois ce que je veux dire. C'est basique mais ça a l'air sain. Et au niveau des frites, qu'as-tu nous... Il y a un problème de sel, on est d'accord hein. Il y en a pas assez. Il y en a pas assez, putain je trouve qu'il y en a trop. Du coup ? Ah ouais. Attends. Je suis tombé sur un endroit où c'était salé du coup. Non pas de temps. Non, c'est normal. Ouais. Normal. Et du coup, tu mettrais une note combien pour le burger? Pour l'instant, burger, j'irai un petit 6. 6? Ouais. Et les frites, 7. Ouais, c'est pas mal. Bien. On sent l'inverse de moi, c'est bien. Personnalité 0, j'ai envie de dire. Et par contre, en boisson, tout à l'heure, tu m'as bien fait rire parce que le gars, il a goûté, c'est une révélation dans sa tête. C'est t'as pris quoi? Victor Pepper. Ouais. C'est vachement connu ici. Moi, je trouve pas ça très bon. Non, c'est ça, mais putain de bon. Combien sur 10 de Dr Pepper? 11. En fait, c'est un peu du coca en fait, c'est ça? Coca à la cerise. Ok, et par rapport à du coca? En fait, ça c'est même pas gazeux en fait. C'est pas ok. Bon, écoutez, après avoir goûté un peu ce burger, finalement, je laisse en note à 6 sur 10 pour l'ensemble. Parce que. On a payé, un peu comme le burger de Seattle, 2$ chacun. Et au final, le rapport qualité-prix, on est très mauvais, puisque c'est un peu le goût d'un burger un peu simple. Un peu déçu, hein, je pense que la déception voit sur mon visage. J'ai envie de dire c'est l'expérience, toi Lucky, si t'en as pensé. Le truc, le burger est bon, et à chaque fois, comme vous voyez, on les effrite en fait. Et ça se passe depuis quelques burgers qu'on teste. Depuis... Ça c'est pas grave, ça va bien se passer. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. C'est pas grave si on laisse des frites. Non mais ça veut dire qu'il y a un problème avec les frites, non? Bah à chaque fois en fait on en prend trop, on n'a pas très faim.
parce qu'on n'est pas des Américains et on mange pas comme des gros porcs à 24. Donc, ouais. C'est un peu comme la boisson, vous voyez ça, la boisson là, ça c'est une petite boisson. Non, en France c'est la grande quoi. Alors ça en France c'est la grande quoi. Ici c'est la petite, donc du coup on n'est pas encore habitué, mais peut-être qu'un jour on sera gros et on aimera ça. On sera fat. On sera fat. Ça fera plaisir. Ouais, sinon j'avais dit combien, 6 et 7 pour les frites. 7 6 pour le. Ouais, 7 ouais, pour les frites. Bah, du coup, j'ai 4 pour les frites. 4 pour les frites et ouais. Pour l'ensemble Pour le burger, je vais le laisser à 6 et pour l'ensemble, je vais dire un petit 7. 7 ouais. Moi je dis un bon 5 sur 10, on est bien. C'est un petit burger time, alors. Un peu déçu quand même, vraiment. Par contre, le style du resto, ça me pensait un peu à mon. Buffalo Grill, exactement, voilà, je l'avais. Voilà, c'était un petit burger en plus. À bientôt.